Et bonsoir à tous. Bienvenue pour ce talk de l'OBR, le prime time pour le jour 5. Qui est-ce qui me parle derrière? C'est Jean. C'est le réalisateur du générique. Le projecteur. Avec ce soir Marc Jiquel qui nous a rejoint en plateau. Marc, merci beaucoup. Bonsoir. De nous accorder un petit peu de temps. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Et bah, notre équipe de chroniqueurs, je le dis tous les soirs, on ne les présente plus maintenant, vous avez l'habitude. Exactement. Pierre Veille de l'Instant Tennis et Thomas Schnapp du Roazhon Talk Show. Ah, c'est bien ça. Hein, c'est classe ou pas? Ouais. T'as aimé? Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc ce soir, on va discuter un petit peu avec Marc de son rôle sur le tournoi, des matchs en cours, du plateau sportif. On va faire un petit peu le tour de tout ça. Il y aura la petite interview à la volée comme d'habitude. On sait que vous aimez bien ce petit moment-là. Et puis on viendra effectivement aussi sur les affiches du soir. Il va y avoir de gros matchs. Ça risque d'envoyer du lourd. Ouais. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Et bah donc Marc, on va commencer avec toi. Ensuite, je pose la même question à tout le monde depuis le début de la semaine. Comment ça va? Très bien, tout se passe très bien. Content qu'on arrive sur la fin du tournoi parce qu'on passe de longues journées. Mais bon, il y a une bonne équipe, on s'entend tous bien. On a un beau spectacle sur le terrain, en dehors aussi, ouais, avec les différents espaces. Non, c'est top. C'est une très belle semaine et le beau temps est au rendez-vous, même si c'est un tournoi indoor. Quand même. Mais c'est important parce qu'on en a parlé avec plusieurs de nos invités aussi cette semaine. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en plus par rapport à l'année dernière sur le village, sur les animations, sur les à côté aussi du tournoi. C'est ça, c'est important pour les partenaires, pour les spectateurs qui viennent voir les rencontres, pour les scolaires, les enfants. Hier, il y avait un mur d'escalade, il y a un tournoi de pétanque, il y a un DJ dehors. Donc non, il y a beaucoup d'animation qui fait bien vivre le tournoi. Puis on sent que le public accroche parce que c'est plein toute la journée. Enfin, nous qui sommes là toute la journée là depuis une semaine, on sent que le public est content de venir et content de rester et ça se poursuit de temps en temps tard le soir. Mais quand les gens restent, c'est que c'est bon signe. Ah, exactement. J'ai pas dit tôt le matin non plus. Moi, j'avais pas envie de partir hier soir, on est d'accord. Donc toi, tu es ambassadeur du tournoi de l'Open Lorraine. Ouais. Alors, ça consiste en quoi? Est-ce que tu peux expliquer un peu aux gens qui nous regardent? En fait, déjà dans un premier temps, avec Nicolas Mahut, qui est absent malheureusement, parce que pour cause de Coupe Davis, raison. On lui en veut pas. Donc on doit essayer de constituer le meilleur tableau possible, essayer de contacter les joueurs et mettre en avant le tournoi. Bien sûr. Avec les années, le tournoi se fait plutôt une bonne réputation. Mmh. Oui. Puis en plus, là, avec le Liberté, je pense que les joueurs sont dans les très très bonnes conditions. Ensuite, mon rôle sur le tournoi je m'occupe de la relation entre les joueurs et le tournoi. D'accord. Donc, les joueurs sont amenés à me solliciter sur différentes demandes. Donc, avec la superviseure, où on essaye de faire au mieux, de les mettre, comme j'ai dit, dans les meilleures conditions. Et moi, je suis amené aussi à solliciter les joueurs sur différentes opérations, événements. Voilà. Et De communication. Pour la presse, pour les rencontres avec les scolaires, pour des radios, des télés. Et donc, ça se passe plutôt bien parce que les joueurs répondent souvent positivement. J'ai cet avantage d'avoir cette proximité. J'en découvre certains que je ne connais pas, mais la plupart, je les connais. Donc, c'est plus facile pour moi de les contacter et de savoir quand leur demander quelque chose. En général, c'est ce que je dis à l'équipe, c'est qu'on ne va pas aller demander à un joueur sur une OP. S'il a son match le soir, on laisse vraiment tranquille. Et dans sa bulle. Il y a une bonne cohésion et tout se passe super bien. Oui, puis ça fonctionne très bien. Tu es visiblement un très bon ambassadeur parce que tous les joueurs qu'on croise nous font énormément de compliments sur le tournoi. Ouais. On était à la conférence de presse de Dominic Thiem hier qui disait que le tournoi n'était pas d'un niveau challenger, mais vraiment d'un niveau au-dessus. D'entendre ça de la part de Dominic Thiem, c'est pour ça qu'on va communiquer là-dessus aussi. C'est super important d'avoir des retours positifs. Mais comme je parle de temps en temps avec des joueurs, je leur dis, mais voilà, dites-nous s'il y a des choses qui ne vont pas, si des choses négatives. Nous, on est là pour entendre. Et pour corriger le tir ou changer les choses pour l'année d'après. Oui, tout à fait, j'imagine. Ça permet aussi d'attirer, j'imagine, des joueurs de plus haut niveau, même s'il y a déjà un très gros niveau. Déjà l'année dernière, on avait Mathieu monté dans la catégorie un peu supérieure, monté à plus de 100 000 $. Et après, on a, malgré la date de la Coupe Davis, on a quand même une bonne date, puisque derrière, la semaine prochaine, il y a la TP 250 de Metz. Donc on commence la saison sur le dur intérieur. Donc c'est tout se passe super bien. Tout est bien, toutes les planètes sont bien alignées. Oui, on s'en rend compte. Ça te laisse le temps de voir quelques matchs quand même? Peut-être pas beaucoup. Un peu plus maintenant, mais en début de semaine, c'était compliqué. Ouais, c'était compliqué. On est,
On part à droite. Mais moi, je préfère être comme ça qu'être dans mon fauteuil à regarder, à attendre. J'aime bien être actif. Ça n'a pas l'air d'être ton tempérament. Oui, là, tout à l'heure, je regardais un match et puis j'ai commencé un peu à piquer du nez. Je dis, bon, allez, faut que je me lève. Ah, là, il est temps. fin de semaine, c'est normal. C'est normal. C'est une bonne fatigue. Oui, bah voilà, c'est ce que j'allais dire. On est fatigué, mais bon, dans un contexte comme ça, ça passe mieux. Exactement. Est-ce que tu as eu un petit match coup de cœur quand même, un match ou un joueur qui t'a particulièrement marqué déjà cette année? J'ai vu quelques matchs. Après, j'ai vu notamment le Simon Thiem, plutôt le premier set. Oui. Après, c'était un choc qu'on attendait. Évidemment. Et malheureusement, Gilles sur la durée, a du mal à tenir le rythme qu'a imposé l'Autrichien. Après, j'ai vu aussi un petit peu, j'étais plutôt dehors sur le virage, sur l'écran géant du village, le match de Benoît contre Danadel. Oui. Donc c'était pas un forcément un beau match, un grand match, mais le scénario, c'est ça. Le comeback au premier set, un rebondissement. Il est à deux points de perdre le match et il revient. Et puis là, je regardais un peu Hugo Humbert que j'avais pas vu de la semaine en fait, et je trouve qu'il tape très très bien là-bas. Ah ouais, il a un beau niveau de jeu. Hein. Ouais, il y a eu des belles parties, donc c'est pour lui que ça On va essayer de suivre un peu son résultat aussi pendant l'émission. Il avait gagné le premier set. 1, je te dis tout de suite où on en est, niveau du score. D'ailleurs, on va voir, parce que comme il va, on lui souhaite finir son match peut-être bientôt, il faudra peut-être qu'on bouge le plateau, qu'on libère l'espace, puis il viendra de partout, saluer les partenaires. De partout, ça va, il nous laisse un peu de temps pour l'émission. Il est sympa, Hugo. Franchement, c'est une crème. Franchement, il est sympa, on le remerciera quand on le croisera, parce qu'il fait ça bien. Il fait ça bien. Moi, je voulais revenir aussi avec vous un petit peu sur les matchs du jour, puisqu'il y a quand même, on le disait en intro, de grosses affiches. Donc, on le disait, Hugo Humbert qui joue là en ce moment contre l'Allemand Brouwer. Non, le Hollandais. Le Hollandais. Pourquoi Allemand? Pourquoi? Parce qu'il y a Gojovic qui a joué en plus. Ah, c'est pour ça. Et qui a battu Grégoire Barrère. Exactement. Alors moi, je n'ai pas vu le match, messieurs, j'attends un peu vos jetés au travail. J'ai vu que le premier set, je peux parler que voilà. Marquez-moi en bosser, alors les gars, parlez. Comment ça s'est passé, ce match? Marc, je te laisse commencer. J'ai vu le premier set, après il a été breaké d'entrée. Après déjà, il joue Gojovic, qui est tel de série 2. Bon joueur, ancien membre du top 50, si je ne me trompe pas. Et il est bienvenu, il a débreaké assez rapidement, ils arrivent sur un tie-break. Et là, j'ai envie de dire, Grégoire passe un peu à côté des tie-break. Golovkin très solide, mais Grégoire a fait beaucoup de fautes. Ouais. Ce ne sont pas les bons visuels par contre qu'on a, parce que c'est des matchs de ce matin entre Grégoire Barrère et Brouwer. Mais après, bon, j'ai pas pu voir le second set, donc vous prenez la suite. Moi, je trouve que... oui, au début, l'Allemand jouait bien, et il avait un peu réponse à tout. Parce que peut-être que sur les filières longues, c'était au désavantage de Grégoire. Ouais, après, ce qui n'est pas facile, c'est que les deux sont des punchers. Ça, Greg, s'il peut finir en deux, trois frappes, il le fera. La surface n'étant pas hyper rapide, forcément, on assiste à des plus longs échanges. Après, là où j'ai trouvé l'Allemand solide, c'est que pour l'avoir joué par le passé, c'est que t'entends, là, ce côté un peu plus faible, déficient, ça va être le côté coup droit. Quand il se met à rater, c'est beau, ça peut être en coup droit. Brouwer, il est très solide, il rate pas beaucoup. Et là, je l'ai trouvé vraiment assez costaud et j'ai bien aimé aussi son attitude. Il était devant, il est... Et Greg est pas loin de passer devant, il revient à 3-3, il est à 0-30. Ouais, des breaks vite. Il s'affole pas, il reste dans son match. Au niveau d'attitude, il a été irréprochable, il bronche pas. Et puis, ça a payé. Quoi. On sentait un Grégoire un peu plus, de temps en temps, un peu plus agacé. Bah, c'était pas non plus. Pas d'énervement, mais. Bah, après, on sait que le tennis, ça se joue à quelques détails. Il a fait un bon tie-break solide. Et après, quand il gagne le premier set, ça donne plus de confiance pour l'adversaire. Ça lui met un petit coup derrière la tête, un peu plus. Mais. Ah, c'est un sport qui se joue sur parfois quelques détails. Ouais. Mais après, au deuxième set, Grégoire, il a pris la balle un petit peu plus tôt, je trouve, par moment. Ouais. Et ça lui a sûrement permis de prendre le deuxième. Et comme tu le dis, de toute façon, ça joue à 2-3 points. Le set. Il perd le premier au tie-break. Ouais, mais il prend le deuxième, non, ouais. Non, il perd en 2-7. Il me semble. Ah, il perd en 2-7, je crois. Ah, moi, il me semble qu'il... Ouais, il me semble qu'il perd en 3. Moi, on m'a dit que ça... Moi, j'ai entendu ça aussi. Alors, il gagne le deuxième 6-4. Il prend le deuxième. Ah d'accord, bah moi aussi. On a bien préparé l'émission. On espérait qu'il avait perdu, mais j'ai pas vu le. Non mais vous êtes excusé, vous aviez beaucoup de travail. Non, mais comme tu dis, pas que nous. Non mais après ça va dans ton sens. Ouais, c'est que le fait d'avoir pris plus tôt, il a enlevé du temps à son adversaire. Et après au troisième, ça fait comme après 7-5. Mais c'est des détails au troisième. Ouais, c'est vraiment accroché quand même. Il est capable de prendre plus tôt encore aussi longtemps en 2-7, c'est pas facile. Ouais, c'est des deux joueurs qui sont.
qui sont assez bah, au niveau du jeu, ouais. Comme tous les matchs ici, elles sont très proches au niveau du jeu. Et c'est vrai qu'au début, Grégoire, il râlait quand même de temps en temps, enfin, on l'entendait au bord du cours. Il n'arrivait pas à lire le service de l'Allemand. Ouais, ça montre aussi un petit état d'esprit. Ouais. Quoi. Un joueur qui est peut-être un peu plus en confiance, Gojovic, sur le moment. Hein. Ouais. Quand on commence à parler, à s'agacer sur des petits trucs à droite, à gauche, et, ouais, j'ai entendu la ligne, dès que ça touche la ligne, ça accélère, ça va vite. Alors Gojovic, il était dans son match, il ne bronchait pas. Ouais. Mais c'est là que ça se joue sur des micro-détails. Quoi. C'est... Oui, puis bah, le score reflète bien ça. On voit bien que ça a été très serré de toute façon tout au long du match. C'est un match sympa, regardez. Mm. Non, c'est deux bons joueurs là, qui sont assez percutants, qui frappent très fort dans la balle. Ah, moi, je voulais vous poser une question justement sur ce joueur allemand. Alors, et dans le chat, si vous avez des questions aussi pour Marc ou pour les chroniqueurs, n'hésitez pas, on y répondra avec plaisir. Cet Allemand-là, j'ai l'impression que c'est un peu... Alors, peut-être pas la surprise du tournoi, mais je trouve qu'il fait quand même un beau parcours. Est-ce qu'on l'attendait forcément là? C'est une surprise puisqu'il est tête de série 2. Ouais. Numéro 2. Et puis il a des 2 et il a un passif qui parle pour lui. Il a, je crois qu'en début d'année, il y a combien de temps, il avait fait demi à Doha, il a battu de très bons joueurs. Ouais. Il est capable de très bien jouer au tennis. Après, c'est vrai qu'il peut avoir sur sa carrière, il a des hauts et des bas. Il n'est pas forcément régulier. Ouais. Mais quand il est bien, ça reste un très bon joueur de tennis. Ah oui, donc c'est pas une surprise de le voir en demi-finale, sachant qu'en plus, sans manquer de respect aux autres joueurs, la partie basse du tableau était moins forte que la partie haute. Ouais. Donc il y avait un vrai écart. Il a fait le table d'être en demi, c'est pas une surprise. C'est un joueur que je connais bien sûr. Donc je préfère avoir l'avis des pros. Non mais c'est vrai que comme tu le dis, c'est pas une surprise et puis en plus tu sens qu'il a de l'expérience. Mmh. C'est un joueur d'expérience, il a quand même il a un titre ATP à Metz. Il avait fait une super semaine parce qu'il était qualifié en plus quand il y avait le tournoi. Puis il avait fait un bel US Open aussi il y a quelques temps. Non mais c'est un joueur qui a fait des gros coups, qui est capable de prendre des très bons joueurs, mais comme on l'a dit, c'est peut-être problème de constance. La régularité, c'est la clé. C'est ça. Okay. Parce qu'avec le niveau de jeu qu'il peut avoir, normalement, s'il le maintient régulièrement, c'est qu'il s'installe dans les 100 pendant quelques saisons. Oui. Ok. Mais c'est ça qui est dur à trouver cette constance. C'est pas facile. Bah c'est ça, on voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont confrontés à ce type de schéma avec des périodes. Où ils sont en plein. Il y a des périodes en pleine montée et ils remportent leur match. Le niveau il est tellement relevé, c'est que tous les joueurs peuvent faire des gros coups, quelque bien part. Sûr. Les meilleurs, c'est ceux qui sont. Et puis qui font des gros coups régulièrement sur des gros tournois. Oui. C'est ça. C'est vrai que l'année dernière, tu vois, Benjamin Bonzi qui était arrivé. Qui était sur une série incroyable, il avait remporté énormément de challengers. Ça se voyait bien, il a déroulé toute sa semaine. Il avait 6 ou 7 victoires d'affilée, c'était énorme. Après, c'est bien, mais c'est être capable aussi de faire ça, je veux dire, d'être sur les tournois de catégorie supérieure. Ouais. Voilà. C'est l'étape d'après, ça. Exactement. Et d'ailleurs, la force. Il a montré qu'il était capable. Il a inquiété ou battu des bons joueurs. Ouais, non, mais c'est là où tu vois que la force des meilleurs joueurs, c'est que même quand ils sont sur un jour. Moins bien, ils ont des moins bonnes sensations, ils arrivent quand même à passer. Oui, à faire le job. Un niveau moyen de base qui est relativement haut. Mmh. Puis de temps en temps, il y en a qui jouent aussi sur leur nom face à des adversaires. Peut-être gérer un peu moins maintenant, dans la mesure où je trouve les jeunes joueurs qui arrivent maintenant. Ils ont moins de complexes. Voilà, exactement. Ils sont là justement, ils disent moi, je joue tel joueur, je joue Nadal, je joue Djokovic, je vais le taper. Quoi. Alors qu'avant, on se mettait un peu dans nos petits souliers, c'était plus compliqué. Ouais, il y avait un petit complexe. Alors que là, maintenant, ils sont insouciants, ils y vont. S'ils peuvent les taper, ils ne vont pas se gêner. Quoi. Oui, bon, ils n'ont rien à perdre contre des joueurs comme ça. Donc c'est vrai que c'est des mentalités un peu évoluées, je trouve. Okay. Mais dans le bon sens. Oui, bah pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que sur ces joueurs qui ont ces périodes un peu qui passent d'un bon à un mauvais moment, je ne peux pas m'empêcher de penser aussi à Benoît Paire. Ouais. Ça me permet de faire ma transition avec le match de ce soir, puisque c'est incroyable. Hein, c'est beau, le talent. C'est bluffant. C'est quelque chose. Hein, ouais, vous avez apprécié, j'espère. Ah ouais, c'est du très haut niveau. Tout ça en ayant travaillé aujourd'hui. Oui, on ne va pas le dire 15 fois donc. Tu as travaillé aujourd'hui et en ayant fini tard hier soir ici. Tôt ce matin. C'est long. Mais oui, donc autre belle affiche quand même du jour, ce duel franco-français. Donc ce soir, entre Benoît Paire et Hugo Gaston, qui se lance? Un pronostic. Allez, Pierre. Moi, je pense que Hugo, il a quand même plus d'armes, même si...
S'il arrive à embarquer Benoît dans une filière où il varie énormément, petit amorti, petit court croisé, où il monte au filet sur seconde balle, il peut un peu le faire cogiter. Après, c'est surprenant ici. Si Benoît il sert très bien, il prend la balle tôt, il attaque, il va aussi complètement dépendre beaucoup de Benoît. Ouais. Mmh. Ah, s'il est dans un bon jour, ouais. Et dans un bon mood, c'est ça, parce que Hugo est gaucher, il va dans le revers de Benoît. C'est, voilà, et Benoît par rapport entre l'évolution entre son premier et deuxième match, déjà il tapait mieux au deuxième match. C'est vrai. Donc voilà, il a deux matchs dans les cannes, un troisième ce soir. Il prend le rythme, mais après Hugo, on sait très bien qu'il n'est pas facile à jouer parce que voilà, c'est, il défend bien, il a une super main, il varie beaucoup, donc faut voir comme tu l'as dit, si Benoît est bien, quoi, physiquement, mentalement, s'il est bien, et voilà, ça va être intéressant. Ça va être intéressant de Il y aura, je pense, une très très grosse ambiance. Parce que déjà depuis le début de la semaine. C'est ça, à votre avis, le public, ça va être compliqué. Enfin, moi, la première, j'ai du mal. Moi, c'est deux joueurs qui sont assez emblématiques. Benoît était. Moi, j'ai vu les deux matchs de Benoît, il était soutenu, mais énormément par le public. Hugo, on sait, quand il joue en France, tout ça, c'est quelqu'un que tout le monde adore. Et ces deux personnes à signaler que en dehors du coup, ils sont adorables. Mais c'est ce que j'allais généreux, dire. Généreux, gentils. On les a croisés sur le tournoi. Ouais. On a assisté à deux trois scènes avec des jeunes, avec des enfants. Ouais, ils sont hyper dispo, ils sont hyper gentils. Ils montrent une proximité. C'est vrai que Benoît Paire, il a l'image pour le grand public, pour beaucoup uniquement du court. Oui, alors qu'il faut le connaître. Ouais. Et quand on le voit à l'extérieur, il est incroyable de simplicité. Il partage beaucoup de choses. Ouais. Il parle à des personnes, on a l'impression qu'il les connaît depuis 10 ans, alors qu'il vient de le rencontrer depuis 2 minutes. C'est ça. Non, mais c'est ça qui est hyper simple, hyper agréable. Il était à la pétanque l'autre soir. Exactement. Avec les principes. J'ai fait venir à la vente aux enchères. Il était là, il était arrivé. Il dit j'achète le maillot, j'achète un maillot. Ah, c'était beau ça. Et il a mis la photo avec le maillot du Stade Rennais. Franchement, si on le recroise. C'est pour quelle association? Tout ça, il me dit, je lui dis, c'est pour des enfants à l'hôpital. Il me dit, je vais acheter. Non, il est mais de toute façon, il faut qu'on le recroise parce qu'il doit nous donner son pronostic pour le Marseille-Rennes. Il y a Marseille-Rennes dimanche. On connaît son pronostic. Voilà. Victoire de Rennes, tromper, malheureusement. Évidemment, victoire de Rennes, bien sûr, on est tous d'accord. Bon, Thomas, toi, je ne sais pas si j'ai pas entendu ta réponse sur le match de ce soir. Tu es plutôt. Je suis embêté parce que c'est vraiment. Moi, c'est vraiment deux gars que j'adore. Je suis vraiment embêté. Pour moi, déjà, le vainqueur. De ce match-là, je le vois aller au bout. Ah, c'est déjà tu vas même battre un team. Après, Et ce qui serait sympa aussi, après, c'est pas contre Benoît, mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent en parler, ou c'est un team Gaston, quoi. Ah oui. Par rapport à Roland, il y a deux oui, ans. Exact. Quand on a fait le tirage au sort la semaine dernière, on se dit, mais si, il y a Team Gaston. Ouais, tout le monde y a pensé. Nous, on ne le souhaite pas, mais après, c'est vrai qu'après, ça fait parler. Est-ce qu'on peut le mettre en 5-7, du coup, C'est compliqué. Non, mais c'est vrai que, moi, c'est deux, vraiment. Alors, c'était mon grand chouchou. C'est pour ça que je suis content que ça se passe bien pour Hugo. Sur mon grand chouchou, c'était Clément Chidek. Ouais. Qui était là l'année dernière, on l'avait reçu en plateau. Bien joué l'année dernière, ouais. C'était un gamin. Dans le même genre de truc, c'est une super personne. On avait passé un très bon moment avec lui. C'est vrai qu'on était un peu déçu de le voir partir. Bon, 21 ans, il avait 20 ans l'année dernière. Je me répète, mais moi, je me remémore à moi quand j'avais 20 ans. Et je le vois lui à 20 ans. Alors, la comparaison, ça fait mal un peu. Ah ouais, ouais, ouais. T'as l'ego qui prend. Et je parle pas que du tennis. Mais après, j'avoue, Benoît Paire, j'ai un petit truc avec Benoît Paire. Je l'adore. Le côté en plus chaud sur le terrain. Génial. On adore le personnage aussi, c'est sûr que. Et tu vois, le match qui gagne. Son match là, qui gagne en 3-7 là, au premier tour, la réaction qu'il a, de remercier le public, on le sentait en plus très sincère. Oui, il l'est, il l'est. Ah, il l'est, de toute façon, je pensais pas. Moi, on fait d'erreur là-dessus. Hein. Après, si c'est Gaston qui passe, je serais pas malheureux. Ils sont deux personnes attachantes, lui, très bon joueur. Et c'est sympa de se dire qu'il y en aura au moins un des deux en demi-finale. C'est vrai. Moi, je vais rester Gaston, parce que depuis le début de la semaine, j'ai annoncé Gaston, c'est mon chouchou de l'année. L'année dernière, j'avais donné Bonzi. T'avais annoncé Bonzi dès le début, l'année dernière. Même plusieurs semaines avant, je vous le rappelle. Je confirme. Donc, j'espère que ça lui porte sa chance. C'est super dur de dégager un favori. Parce que moi, ça peut dépendre de lui. C'est à l'affect aussi. Je pense qu'il peut kiffer ce genre de match aussi. C'est ça. Complètement. Il dit, je vais essayer de le taper, je ne suis pas favori, il y a une bonne salle, il y a une bonne ambiance, je me sens bien ici. Non, mais c'est dur de faire un pronostic. C'est compliqué. En tout cas,
on va être content d'être dans la salle et d'assister. Je pense que ça va être ça va être une sacrée soirée, ça. Je pense aussi. Est-ce qu'on peut avoir un petit update, messieurs, sur le score de... Oui, bien sûr. Ne bougez pas. Ne bougez pas, cher Marie. Je vous fais confiance. Vous pouvez. Il y a 4-3 Brewer dans le deuxième set. Pas de break. Ça avance. Manifestement. On continue à suivre ça. Et donc le vainqueur de ce match-là affrontera Cyrulnik. Je bloque sur son nom depuis le début de la semaine. Goyo, quelle je ne sais pas si je prononce bien. Non, on lui demandera. Il faut qu'on l'invite en plateau. On ne peut pas dire Goyo parce qu'il y a un joueur croate qui s'appelle, ou serbe qui s'appelle Goyo. J-O-J-O. Ah oui, c'est ça. On ne va pas qu'on fasse la guerre. Et qui ne joue pas le tournoi. Bon, nous, ça va. On est... ouais. Non, mais je bloque sur son nom depuis le début de la semaine. L'année dernière, c'était Zach avec Rinderknecht qui n'arrivait pas à passer le truc. Ouais, c'est lui cette année. J'avoue que. Maintenant, on l'appelle Arthur. Bah c'est plus on commence à le connaître un peu, maintenant on se permet, on l'appelle Arthur. Bah oui, et en plus il nous avait gentiment offert un de ses maillots de Roland, pour, on a organisé un gala de charité au printemps, et il avait gentiment offert son maillot dédicacé avec une petite vidéo et tout. Un gars adorable, c'est un gars du coin. C'est top. Et Benjamin aussi d'ailleurs, les deux. Très gentil, Benjamin. Oui. Bon, on était un peu déçus de ne pas les recroiser cette année, mais bon, Coupe Davis, on leur souhaite d'aller plutôt à Coupe Davis, on va pas se mentir. C'est sûr. Ah, puis ils ont tous les deux, par rapport à... ils ont une carrière qui est en train de... Qui est en train de monter en flèche, effectivement. On leur souhaite que ça, justement, que ça continue. Mais on disait ça, l'OBR, quand même, gros pourvoyeur de joueurs de Coupe Davis. Parce que là, entre Benjamin, Arthur, Nico et Richard... On choisit les bonnes personnes. Et ces personnes-là aussi choisissent le bon tournoi. Ah, c'est que les ambassadeurs font mieux leur boulot. Exactement. Ah, voilà. Quand même, la boucle est bouclée. Eh bien, je vous propose sur ces belles paroles de passer à la petite interview à la volée. Avons-nous un petit jingle en régie, s'il vous plaît, pour l'interview à la volée? Et voilà. Quelle efficacité, mais ils sont... on n'arrivera pas à le piéger de la semaine. Non, hein. Je crois pas. Mais ils sont vraiment très forts. Eh bien, c'est parti, l'interview à la volée. Je rappelle le principe rapidement. Deux propositions. Tu choisis celle qui te correspond le mieux. Tu justifies ou pas. C'est au choix. Il y a des jokers? Un joker. Ah, d'accord. Non, sur les dernières, on a donné deux. Ça va dépendre des questions. Il n'y a plus assez, de questions. Ne l'utilise pas trop vite. Il y a trois questions de joker. Alors, on va voir, casseur de raquettes ou gentleman player? Je veux dire, casseur de raquettes, même si je n'ai pas forcément cassé beaucoup, mais c'est par rapport à plutôt mon caractère. J'étais plutôt un râleur. Donc ça se rapproche plus de casseur de raquettes. Okay. Oui, mais oui, j'étais pas non plus. Moi, j'étais quand même assez fair-play. Mais bon, plus casseur de raquettes. Plutôt. Ça me correspond plus. Plutôt Yannick Noah ou Henri Lecomte? Noah. Non, pour le côté showman, l'artiste, puis ce qui dégageait sur le terrain. Et... Non, c'est quelqu'un que j'aime bien. J'aime beaucoup. Plutôt Roland ou Wimbledon? Je dirais Roland. Je suis à la maison. On est bien, même si Wimbledon, c'est un super tournoi. Ouais. J'ai eu la chance de jouer Fédération Centrale. Donc, mais quand même Roland. Quand même, Roland. Faut être chauvin un peu quand même. Il faut un peu plus. Non, mais on est d'accord. Plutôt Steffi Graf ou Serena Williams? Steffi Graf. C'est marrant cette question. Tout le monde a un avis très tranché. Oui, il n'y a pas d'hésitation. Oui, c'est vrai. Ouais, mais on a eu un peu du 50-50. C'est super dur de les. Ouais, moi, c'est plus pour la simplicité de Steffi Graf. Oui, de ce côté un peu moins. Serena Williams, c'est une grande championne, mais. T'entends, elle en faisait un peu trop, c'était voilà, mais bon, ça n'empêche pas qu'elle c'est une grande joueuse avec un grand palmarès, mais je préfère la discrétion et la simplicité de Steffi Graf. On a une question subsidiaire dans le chat, plutôt Gus Hansen ou Daniel Negreanu? C'est le joueur poker, ça, non? Ouais. Je connais pas assez, en fait. Je préfère les parties entre nous ici, là. Voilà, parce qu'on m'avait demandé, moi on m'a briefé avant quand on a su que tu venais, et on m'a dit, Thomas, il faut que tu relances Marc sur le poker. Non, mais c'est bien, les parties de poker, les tournois de poker, c'est très bien. Ouais. On va peut-être remettre ça l'année prochaine. Ah, ça serait bien. Ce serait bien. Ouais. On aurait beaucoup de participants. C'est la seule chose qui a manqué cette année. Ouais. Alors on continue, plutôt Coupe Davis au Grand Chelem. Moi, on prend la Coupe Davis actuelle ou pas? Non, la vraie. Enfin, la vraie. Après, j'ai beaucoup regardé la Coupe Davis, elle m'a créé beaucoup d'émotions. J'ai jamais eu de sélection, malheureusement, après, pour des raisons diverses.
Mais je préfère quand même Grand Chelem. Grand Chelem. Après, c'est des questions qui sont un peu bâtardes, quoi. C'est pas facile de choisir. Super dire. Ah bah, non, tu choisis entre deux trucs. Ouais, Coupe Davis ou Jeux Olympiques. C'est un peu fait exprès, ou, on va vous mentir. On se pose ces questions entre nous, de temps en temps. Tu préfères gagner un Grand Chelem ou gagner les Jeux Olympiques ou voilà. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'en tennis, le Grand Chelem. Mais non, mais après, non, limite, non. Je préférerais. C'est le Graal ultime, ouais. Je pense Coupe Davis, parce que Coupe Davis, ça veut dire que. Le classement va avec, c'est qu'on représente la France, on est, et puis... Ouais. Ça veut dire que c'est une victoire collective. Quand, parce que, quand j'ai dit Grand Chelem, c'est parce que j'avais pas de sélection. Tu préfères gagner la Coupe Davis que gagner Roland-Garros? Ah, c'est gagner, hein. Je sais pas, Coupe Davis ou Grand Chelem. La question, c'est Coupe Davis. Non, mais c'est parce que tu peux pas dire, on se demande parfois entre le joueur gagner... Ouais, non, ouais, après, si c'est gagner la Coupe Davis ou gagner un Grand Chelem, ce serait gagner un Grand Chelem. Oui, bah après, ouais, tu vois, on a des invités qui nous répondent bah oui, sur la victoire, d'autres sur l'ambiance, qui préfèrent l'ambiance. Voilà, parce qu'après, si chacun a son... c'est représenté la France, la Marseillaise, c'est le survêt. C'est fort, ouais, c'est sûr. Ouais, donc après, c'est si c'est gagné, c'est différent. C'est gagné. Gagner un Grand Chelem. Bah, et Baptiste qui nous dit. Le... Derrière, on est en Coupe Davis et après. Et puis, quand t'es sur le central de Roland en finale, t'es en mode Coupe Davis, quoi. Aussi, ouais, ouais, avec toi. Oui, en termes d'ambiance. Oui, c'est vrai. Et puis, comme je dis, Baptiste, ça reste un sport individuel, donc malgré tout, on comprend le. Le fait que le Grand Chelem reste un peu le Graal, effectivement, pour un joueur de tennis. Alors ensuite, service volé ou passing shot? Passing shot. André Agassi ou Pete Sampras? Ah non, il y a eu beaucoup de jokers utilisés sur celle-là. Non, je ne vais pas dire de joker parce que je ne vais pas me mettre dans l'embarras. Je ne vais pas froisser qui que ce soit. Ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas. Après, donc, André nous regarde tous les jours. Donc, attention. Oui. Non, je dirais plutôt Agassi. Bonne réponse. C'est bon? Il a fait la même? Non, mais il sera content. Il sera content. Hein, André, t'as vu? Plutôt apéro avec Benoît Paire ou soirée gaming avec Gaël Monfils? Apéro avec Benoît. J'ai déjà fait un petit avec la pétanque. Zéro, zéro hésitation. Non, même si je l'année prochaine, avec Gaël, je suis pas trop jeu vidéo. Gaming, non. Donc, du coup, le choix est vite fait. Exactement. Est-ce que tu as un joueur ou une joueuse dans l'histoire du tennis qui est au-dessus du lot pour toi, qui t'a marqué plus qu'un autre? Fédéral. Ah, ça tombe bien, c'est d'actualité. On rebondit. Vous avez vu avec Marc comment on a bossé les vidéos. J'aurais dû dire quelqu'un d'autre. C'est magnifique. Vous êtes incroyable. On a compris, on ne vient pas l'année prochaine. Je pense qu'on peut partir du monde. On va les émissions avec Marc, entre nous, tranquillement. Avec plaisir. Marc, ça nous fera une casquette de plus pour l'année prochaine. Ambassadeur, co-animateur. Bah ouais. Moi, ça me... Galette saucisse ou crêpe beurre sucre? Galette saucisse. Et donc, du coup, oui, j'allais te demander, plutôt que notre question habituelle de clôture d'émission, étant donné que Roger a annoncé sa retraite... Triste ou heureux? Je suis triste. Après, c'est une semi-surprise, parce qu'on se doutait que ça allait être compliqué pour lui de revenir. Et j'ai eu la chance, et lui aussi a eu la chance de me jouer, en fait. Non, je l'ai joué trois fois et quand je l'ai affronté, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, tant par le joueur que la personne qu'il est en dehors du terrain. Ouais. C'est quelqu'un très accessible, déconneur, sympa et puis même quand il est sur le terrain, il dégage une grâce, il a du charisme, il est beau à voir jouer, quoi. Ah, l'élégance. On est tous déçus. On aurait voulu le voir encore jouer. Ça va laisser pendant 20 ans. Même si on s'est un petit peu habitué à ce vide-là, une mauvaise habitude, puisque ça fait un moment qu'il ne joue plus. Oui, on le voit. Ça fait plus d'un an. C'est ça. Après sa défaite à Wimbledon. Oui. Oui, forcément triste, quoi. Et j'espère que la génération derrière, ça va être dur pour elle de combler ou de se mettre au niveau de ces joueurs-là, comme Nadal, Federer. Et c'est pas simple de passer après. Mais du coup, j'ai envie de te poser un peu la même question que tu as posée à Dominic Thiem hier. Est-ce que tu vois dans la jeune génération quelqu'un qui arriverait au niveau de ces gars-là? Après, je parle pas que du jeu. Moi, je parle vraiment de ce que le joueur dégage. Ouais, dans son entier. C'est hyper dur. Ah, bah la barre haute. Il y a beaucoup de joueurs seniors, ça joue bien, mais pour moi, c'est pas pareil, quoi. Alors, je vois Baptiste qui nous parle d'Alcaraz dans le chat. Est-ce que c'est un jeune qui pourrait avoir cette dimension-là? Oui, forcément, le nom qui va ressortir, c'est Alcaraz. Parce que voilà, bon, il est numéro un mondial. Moi, je trouve que c'est pas méchant, un peu par défaut. Il aurait été numéro un parce que le contexte fait que Djokovic a joué un grand chelem sur quatre. Mais il aurait été numéro un mondial, je ne me fais pas de soucis. Mais non, mais c'est un joueur qui sait tout faire. J'en parlais, je ne sais plus avec qui, on dit voilà, limite, il fait.
c'est peut-être un peu exagéré, mais un peu tout mieux que Djokovic. Non, mais c'est la comparaison est peut-être un peu forte, mais c'est voilà, il est capable du moins de faire un peu tout mieux que Djokovic. Il va hyper vite, il est souple, il a une bonne main, il va vers l'avant, il serre fort, il frappe fort. Il a 19 ans, quoi. Ouais, c'est ça, et mentalement, on voit qu'il est prêt. Il dégage, hein. Il fait des points de dingue, il rate, il est là, il sourit, il exprime des choses, quoi. Et c'est ce qu'on veut voir. Ouais. C'est ce qu'on veut voir. Ah, il fait du bien, lui. Oui, il a fait du bien. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, ça n'a pas été évident de tout le temps. Je me mets à leur place de tout le temps les comparer à ces gars-là. Je me dis qu'il faut leur laisser créer leur propre histoire. Pas leur mettre trop cette pression. Ce qu'ils vont faire. C'est ça. Parce qu'ils sont assez matures, ils savent ce qu'ils veulent, ils vont. Ouais. C'est vrai qu'on les sent. Mais ce que je pense, Sinner, alors là, il joue très bien, mais. Mais il dégage moins. Il m'excite pas, je veux dire, excusez-moi du terme. Non, mais voilà, c'est. Alcaraz, on sait quoi. Tu sais qu'il va se passer un espèce de show de dingue avec Alcaraz. Mais après, un Sinner, il est un peu. Après, il joue. Non, mais ils vont se jouer, c'est un super spectacle. Ah, bah, le moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est le. Ce que le joueur dégage, quoi. Mmh. C'est comme Kyrgios, moi j'adore. Ah, attends, il est ah dans merci, les Marc. Oui, un peu, mais. Mais ouais, ça mais fait partie du personnage. Mais on a besoin de ça, comme Benoît, comme Fonini. Voilà, quand les gens ils viennent le voir jouer et qu'ils le sifflent, moi je ne comprends pas. Je veux dire, mais voilà, vous venez voir jouer Benoît ou Kyrgios, je dis, moi je voulais voir parce que je sais qu'il va se passer des bien choses. Sûr, tant par le tennis que par le caractère du joueur. Il va casser des raquettes. Il va... Après, ça ne veut pas dire que je cautionne tout ce qu'ils font. Hein. Non. Mais on vient bien aussi au pour tennis. Le show, c'est correct. Ça reste un spectacle pour les gens. Ah, puis c'est comme tu dis, ça reste des joueurs, ils sont géniaux. Enfin, un Kyrgios, te fait un truc de fou. Et puis tennistiquement, il est capable de faire tellement de choses avec sa raquette, c'est incroyable. Et là, il a l'impression qu'il en prend conscience, quoi. Ouais, oui, parce que et à l'Open d'Australie, ça va être intéressant. Ouais, il est toujours dans cet état d'esprit. Depuis quelques mois, on sent que... Depuis Wim, il a... Il bascule. Plus dedans, plus focus sur le tennis. Ouais. Et toi, sur le débat du GOAT, qu'est-ce que t'en penses? Le débat de du GOAT. Tu penses que c'est un débat qui n'a pas lieu d'être parce que on en fait trop. Moi, non, ils sont tous des joueurs exceptionnels. Après, il y en a qui vont les départager par rapport au nombre de grands chelems. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Chacun est juge peut juger comme il le veut. C'est les affinités. Moi, c'est plus par rapport à ce que le joueur dégage aussi. Bah, et après, moi, je suis pas forcément objectif parce que j'aime beaucoup Federer, mais je vois quand il y a eu la présentation des anciens champions sur le central de Wim. Ah bah, Federer, quand le public, il a déjà voté. Si on parle de cause vraiment, il s'est fait ovationner comme jamais, quoi. Oui, à cause de Djokovic, on a un exemple dans le chat qui a pas forcément une bonne image en fait. Et moi, je suis pas fan c'est un super joueur, mais la personne, je suis pas fan. Oui, voilà. Et après, ça empêche que c'est un super athlète, il joue super bien au tennis. Ce qui est très dur à sa décharge, c'est quand il joue Nadal ou Federer à l'époque. C'est que les gens n'étaient pas contre lui, mais pour. Et c'est hyper dur. Et je trouve qu'il a une force de caractère. Notamment quand à Wimbledon, il bat Federer en sauvant des balles de match, alors qu'il a le public, pas contre lui, mais pour Federer, et qu'à la fin, il mange l'herbe, il les regarde, en gros, vous étiez plus ou moins contre moi, et j'ai réussi à gagner. Je trouve ça, c'est un super athlète. Mais après, je trouve qu'il en fait un peu trop. Mais ça fait partie du... On aime ou on n'aime pas. C'est ça. Moi, je suis pas fan. Ah non. Mais ça reste un super athlète. Ouais, et ça, pour le tennis, c'est un super modèle. Il n'y a pas de débat sur son niveau. Évidemment, mais c'est vrai qu'il fait moins l'unanimité qu'un Federer ou qu'un Nadal. On ne peut pas aimer tout le monde. Moi, au début, Nadal, j'aimais bien, mais sans plus. Et après, au fil des années, j'avais de plus en plus de respect pour la personne, pour ce qu'il dégageait, sa force mentale sur le terrain. Je trouve ça incroyable ce qu'il fait, la carrière qu'il fait. Non. Puis, il y a un gars comme Nadal qui a réussi à varier aussi un petit peu. Il a pris combien 11 Il a combien de Roland Garros 14 11, c'était loin là. Loin du coup. Ah oui, je suis loin. Et donc, Thomas, t'aurais quand même pu mieux préparer les. Donc, Yannick Noah, sélectionneur de la Coupe Davis. Voilà, c'est lui. Tout à fait. Donc, vous couperez au montage. Donc, Nadal qui a gagné 14 Roland Garros, oui, qui est quand même. Voilà. T'as quelle mémoire, Thomas? Oui, c'est incroyable. Bah, j'ai bossé mes fiches quand même. Hein. Professionnel, un minimum quand même. Parce qu'on boit des apéros, on profite du salon VIP, ok, mais on bosse aussi. C'est important, faut le dire. Faut le dire. Et non, et le fait qu'il ait, tu vois, qu'il ait quand même réussi à varier, parce qu'il a tout gagné, je trouve ce côté-là aussi assez incroyable. Ah, en fait, il a changé son, enfin, il a fait évoluer son jeu de façon incroyable. Et d'ailleurs, je voulais te demander, là,
la comparaison Alcaraz-Nadal. Ouais, moi personnellement, je trouve qu'elle n'a pas vraiment lieu d'être. Mais non, je le trouve plus fort, Alcaraz. Oui, parce qu'en fait, ils n'avaient pas du tout le même jeu au même âge, quoi. Je sais beaucoup plus de choses. C'est ça. Plus complet. C'est Nadal, voilà, il avait un schéma de jeu, qui, quand il applique, il est dur à contrer. C'est aller tout droit, enfoncer le mec dans le revers, gagner du terrain et après avancer. Après, c'est vrai qu'il a Nadal, il a renforcé son revers, il frappait de plus en plus fort. Mais Alcaraz, il sait tout faire. T'as l'impression que il a une bonne main, il vient au filet, il sait tout faire. C'est le joueur ultime, t'as l'impression. Et il a 19 ans, quoi. C'est ça qu'on a hâte de voir. Même ce que si on les compare au niveau du palmarès, au même âge, Nadal à 19 ans, je pense qu'il allait gagner peut-être plus d'un grand chelem. Mais pas forcément. Il était peut-être un peu en avance, mais bon, après, je me fais pas de soucis sur lui. Il en gagnera des grands chelems, Alcaraz. Mais il peut gagner partout. Oui, c'est ça. Et son jeu, il convient. Enfin, même sur le gazon, il mais oui, mais voilà. Fort, c'est vrai que Nadal est plus monotache, quoi. C'est plus terre battue. Non, plus maintenant, parce qu'il a tellement fait caricature volontairement. Alcaraz peut jouer sur facilement sur plus de différentes surfaces. Ouais. Mm-hmm. Et juste, je profite du petit blanc, juste pour répondre à la question de LCDX. Apparemment, le père de Djokovic l'aurait comparé à Jésus. Ah ouais, pardon. Oui, parce que... Peut-être pas très objectif, si c'est son père. Hein. Parce que moi, mon fils, je le considère aussi comme étant le meilleur. Non, mais il n'a pas gagné encore 20 grands chelems, mais il n'a pas besoin de ça pour être le meilleur. Je ne compare pas encore à Jésus. Non, mais c'est parce que, tu sais, pendant la... Oui, mais son père, il est... Sans être méchant, il a dit beaucoup de conneries. il comprenait pas pourquoi Federer rejoue au tennis, continue à jouer. Finalement, quand Federer joue ou n'importe quel autre joueur, c'est qu'ils aiment ça, quoi. C'est tout. Mm-hmm. Même si les résultats sont là, c'est qu'ils aiment être sur le terrain. C'est leur passion. C'est tout. Et Tony Nadal, il avait dit d'ailleurs qu'il comprenait pas du tout les gens qui disaient ce que tu viens de dire, parce qu'il trouve ça beau justement de voir les grands champions continuer. C'est la passion, quoi. C'est... Ah merci Sage Junior pour le follow, c'est pas... En plus on a du coup le petit Dominique Team pour le follow, ça fait plaisir. Ouais. Ils sont sympas, c'est Sage Junior. Vous connaissez la dernière défaite de Team à Rennes? Pardon, j'ai pas entendu. La dernière défaite de Dominique Team à Rennes, vous la connaissez? Alors moi non, c'était Pierre notre Bible. Hein, oh la classe. La classe. Quand même. Ça aurait dû être préparé, ça. C'est vrai. En 2013, c'était il y a longtemps. C'est vrai qu'on aurait ça, on aurait dû le noter, ça. Il est très sympa. Ben oui. on va finir notre émission d'abord, si ça vous embête pas, parce qu'on est en direct et après vous venez. Bien sûr. On est en direct sur la TV. Aucun problème. Non. Je pensais que vous la connaissiez. Non. Je sais pas, vous voulez monter aussi, non? Un micro, s'il vous plaît. Les joies du direct. Ah ça fait partie du truc. On a la chance quand même d'être dans un cadre incroyable. Très sympa. Je vais en profiter pour remercier à nouveau toutes les équipes de l'organisation qui nous permettent d'être là et d'être dans ce cadre-là, de suivre le tournoi, de rencontrer les joueurs. Parce que pour nous, c'est une expérience de belle réussite, ouais. C'est vrai que c'est incroyable et j'en profite aussi. Les espaces bien aménagés, la déco, tout, c'est vraiment... Non, c'est vrai, merci beaucoup Marc. C'est pas moi, je suis pas. Non, mais sur la partie joueurs, on sent qu'ils sont quand même. Comme tu le disais, accessibles. Mettre bien les partenaires, les bénévoles, tout le monde, parce qu'on a besoin de tout le monde pour organiser un tournoi. Et c'est bien parce que là, on a l'impression d'être sur un ATP 250 et c'est un. En fait, c'est assez libre sur ce plateau. C'est ça. C'est un peu la cour de récré. Ça vraiment bien à l'écran, Thomas, la position. Excusez-moi. Cette émission va finir n'importe comment. Est-ce qu'on peut faire un point score? Oui, 5-4, Brouwer. Pas de problème. Alors du coup, si vous voulez faire un petit ping-pong avec Marc, c'est maintenant, parce que je pense qu'après... On va laisser notre champion. Tu veux qu'on installe la table? Quelle table, alors? Allez, alors, on va changer la table quand même, parce que celle-ci, c'est pas très... On va la poser dessus. Attends, je vais la chercher. Bougez pas. Non, bougez pas, Marie. Bougez pas, Marie. Regardez. Vous pouvez me tutoyer, Thomas. Il faut faire signer la balle à Marc. On peut faire signer. En attendant qu'on installe, Allez. Ah oui, on s'est équipé cette année. Mais vous avez vu ça, c'est incroyable. Il y a des moyens là. Ah bah oui, attendez. C'est assez exceptionnel. Et on peut bosser. Oh là là, c'est pas normal. Quelle honte. On reste assis. Ah oui, ça peut. Ah oui, d'accord. Oh là là, oui, bon.
On sent que tu es fatiguée, Marie. Bon, un petit peu, mais c'est la fin de la semaine pour moi aussi. Oui, oui. Ah, mal. Tenez votre raquette, cher expert. C'est gentil. C'est un peu bancal, par bancal, contre. On est bancal. Ah oui. Mais c'est parce que rien, ne bougez pas. Voilà, mais comme ça. Pardon. Il ne te plaît pas? C'est bon. Oh, non, c'est... c'est bon là. Elle penche un peu quand même. J'aurais une excuse. On n'est pas vraiment sur une excuse terrain réglementaire là. Donc alors, un petit peu d'échauffement et puis on affiche le score. Oui, oui, quelques balles de... Quelques balles d'échauffement. Échauffement. Je sens qu'il va y avoir du niveau ce soir. Oui, oui, oui. Je vais pas jouer, moi. Non, moi je vais regarder. Oh là là, quel... Hop là. On va faire les ramasseurs de balles. Ah oui, on fait les ramasseurs de balles, bien sûr. côté gauche et moi voilà, côté droit. Moi je suis team Marc Jiquel. C'est combien, combien 5. C'est 5 points, normalement. On le fait, ouais, t'as même le score. Allez, en direct. C'est parti. Allez, c'est parti en 5. Ah, 1-0. Ça s'appelle. On commence à compter les points derrière. Hein, ça s'appelle. Il n'y a plus personne. Oh, voilà. 2-0. Ah, il est perdu, Pierre. Il est intimidé. Non, non, mais non, 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 non. Pierre, attention. Pierre, mentalement, Pierre, il est perdu. Moi, je pense qu'il va falloir prendre la revanche sur une vraie table. Hein. En vrai. Voilà. Voilà. Non, mais en fait, on joue contre un pro du film. Et à Fanny, bien sûr. Fanny, se passe quoi? C'est en 6 ouais. points, c'est ça, non? Non, mais on va être perdant, 10 points pour le perdant. Ah oui, 10 points. C'est gentil, ça. Donc, ça, oui, c'était lettre, mais c'est pas grave. Ah, ah maman! Et tu pourras dire, j'ai mis un point, nickel. Belle, oh, pardon, pardon, pardon. Elle est belle, elle est belle. Même deux, allez. Belle longueur de balle, Pierre. C'est la pression de la balle de match. Tu rates plus, hein. Ah bon, on t'a mis notre chien. Bravo. Merci, merci. Bravo, Marc. Bravo, Marc. Je pense qu'on peut applaudir Marc. Merci. J'ai gagné quoi? Et je précise que Pierre s'entraîne depuis ce matin. Je le dis. Bravo, messieurs. Ouais, parce qu'on t'avait mis notre champion, pourtant. Hein, oui, on a tout donné. Il est trop fort, il est trop fort. Pierre, tu as fait honneur. Je signe. Eh bien oui, avant de nous quitter, tu vas pouvoir... On va te libérer quand même, j'imagine que tu as un petit planning un peu chargé. Là, ça... Non, ça se relâche un peu. On va être honnête, ça va. Bah, on arrive sur la fin de tournoi. Donc. Bah, tu reviens demain, du coup. Hein. Si je peux, oui, avec plaisir. Tu viens quand tu veux, par contre. C'est pas, si je peux là, prendre ma revanche sur une table réglementaire en bas, parce qu'il y a des grandes tables en bas. Il y a des grandes tables. Oui. Ah, c'est quoi le dilemme? Alors, on pourra voir ça après l'émission. Qui? Ah, bah, qui veut défier au ping-pong? Attention. Qui veut défier au ping-pong? Oh, bah, on voit ça après l'émission, non? Ah bon, la table sera toujours là. Hein. La table sera toujours là. Dans 3 minutes. Bien sûr. Chauffez-vous un peu et dans 3 minutes, c'est à vous. Voilà. Ça marche? On joue la balle. Ah non, celle-là, elle est à nous. Non. 10 euros en bas. Il y en a à vendre 10 euros en bas. Ouais, mais je peux mettre 20 euros et je peux la gagner. Ah non, elle est pas en jeu, celle-là. Celle-là, il y a des signatures, elle coûte plus que 20 euros. Hein. Bah, bien sûr. Bon, vous l'avez compris, il se passe beaucoup de choses ici sur le plateau. On va vous remercier chaleureusement de nous avoir suivis. On va remercier Marc de nous avoir accordé de son temps. Merci Marc. Marc, encore une fois, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. La porte est grande ouverte. Tu connais la route. Je pourrais passer, venir. Bah, faire un petit ping-pong, voilà, quand tu veux. Il n'y a pas de problème. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain matin, 10h. Eh bien, ce sera moi. Ce sera moi à 10h demain. À nouveau, on recevra Stéphane qui travaille pour Technifibre et qui prépare les raquettes des joueurs. Eh bien. Qui nous expliquera son métier. Comment se sont passées ces soirées. Ce sera un bon. On lui demandera ses prévues. Je l'ai vu, Stéphane, hier en soirée. Et il est bien. Il est très, très calme. Ouais, il est compétent partout. Il est présent partout. C'est ça. C'est bien son métier. Ouais. Donc, ce sera une interview passionnante à suivre. Je vous invite à nous rejoindre donc, demain à 10h et demain soir, évidemment, à 18h pour le prime time avec nos chroniqueurs et avec des invités toujours en plateau. Passez une bonne soirée. À demain. Ciao, ciao.